salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Ruée vers le Diamant, c'est parti! Allez boum, on est parti pour un nouvel épisode de La Ruée vers le Diamant, au sniper sur Black Ops 3, sniper SVG 100, le dernier et vraisemblablement même le dernier épisode de La Ruée vers le Diamant. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Alors là, je suis en match à mort par équipe sur la map Fringe et je vais justement en profiter pour essayer de faire mes défis tir de loin. Alors c'est le moment un peu où je vais casser les couilles de tout le monde à camper au fond de la map en hardscopant au sniper. C'est une technique qui est moche, c'est une technique que j'aime pas, mais c'est une technique obligatoire. Bah forcément, pour faire des tirs de loin, je veux dire rusher et faire des tirs de loin, c'est pas souvent très simple. Voilà, il l'a eu, tant mieux. Alors là, je pense que ça peut tourner le spawn, donc je vais être quand même assez vigilant. Surtout que... Oh, attends. Voilà. Bon débarras, j'ai ma sanguinaire. Alors surtout qu'il me reste 2 sanguinaires à faire, alors maintenant une seule. Donc, tant mieux. Wouh! Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Est-ce qu'il y en a encore au loin, là, en train de camper? Oui, super. Nickel! Merci. Ouh, encore un. Allez, monte. Ah, putain. C'est quel défi que j'ai rempli, là? C'est quel défi que j'ai rempli? Pas les sanguinaires, puisque j'ai... Ah bah, si, en plus! Ah, c'est 5 éliminations avec l'arme sans mourir. C'est pas sanguinaire. C'est-à-dire que finalement, si tu fais... là, j'ai fait 10 d'affilée. Grâce aux 10 d'affilée, ça m'a compté pour 2 fois les 5 éliminations. Ah, je savais pas la nuance. Et bah finalement, c'est quand même mieux. Bah voilà, écoutez, ça c'est fait. Il me reste donc les tirs de loin et quelques tirs comme ça. Ok, alors je vais retourner dans le bâtiment. Parce que là, il me manque des tirs de loin. Alors, je vais casser les couilles encore. Mais bon, que veux-tu? C'est comme ça. Il faut bien que je fasse mes défis tirs de loin. Merde. Ah, putain, il l'a eu en plus. Dommage. Alors là, ce que je vais faire... Voilà. Pour éviter qu'il vienne me casser les couilles, je fais mon gros bâtard. Ouais, je sais, c'est vraiment une technique dégueulasse. Mais bon. Alors là, des fois, sur le côté gauche, il y a moyen de faire des petits trucs. Mais ce que je vois, c'est que... Putain, mais mes alliés sont là-haut et les ennemis aussi. Ça m'intrigue un peu. Merde. Bon, je suis quand même content du début parce que c'est pas toujours simple pour moi de tomber sur des bonnes parties. Bien souvent, je me tombe vraiment sur des parties de merde. Ou en tout cas, j'aimerais vraiment tomber contre mes alliés. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, petit tir de loin. Merde. Ah, putain. Oh putain, je l'ai eu, nickel. Oh, il a volé, petit bâtard. Bah, des fois, ils réapparaissent derrière, entre les deux citernes, ils réapparaissent là, donc... On ne sait jamais, un petit tir, ça peut faire la tambouille. Alors, on va quand même pas trop non plus rester dans le bâtiment au bout d'un moment, parce que sinon ça va être un petit peu chiant à regarder systématiquement. Ah, je l'avais dit, putain. Viens là, viens là, viens là, viens là. Il est parti, où ce con? Oh putain, il est là. Ouh, ma tourelle. Alors, bon, ma tourelle là, ça va peut-être empêcher les ennemis aussi de se mettre dans le côté en face si on réapparaît de ce côté là, non toujours pas. Bon, c'est vrai que les spawns en MME, si j'ai toujours trouvé, je les ai toujours trouvés débiles sur BO3, ça manque vraiment un... Je sais pas si l'expression sera adaptée, mais un vrai Call of Duty par rapport à ça. Vraiment le Call of Duty genre BO2 ou quoi, où les spawns sont... Où t'as des spawns qui font rêver des fois, tu vois. Voilà, joli petit tir de loin. Alors, je suis même pas sûr d'avoir le tir de loin, mais bon. J'ai pas regardé, en fait. Wouh ! Drone en attente d'ordre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où, lui? Ah, il est là. Bon, bah, le drone de brouillage, c'est vrai que ça sert un petit peu à rien sur le coup, parce que j'ai le silencieux. J'aurais peut-être dû chercher à mettre, au contraire... une tourelle, pas une tourelle, mais genre... Ah merde, un gardien, un truc comme ça, tu vois, histoire d'eux, mais bon, bah, tant pis, on s'en fout. Eh putain, on les éclate là. Eh, j'avais pas regardé le score, mais... Waouh. Ça... Oh putain, voilà, c'est bon, c'est fini les tirs de loin. Youpi. Ouh. On peut y aller maintenant, on peut foncer un peu dans le biptech.
faire les éliminations. Putain, ça fait... Eh, ça doit faire des années que j'ai pas fait une game comme ça. Oh, je kiffe. Eh, je savais bien que le mec il avait sang froid, mais j'étais pas sûr de où est-ce qu'il était exactement. Voilà, 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 voilà. Oh putain, ça fait plaisir cette game. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une game comme ça. Où ça se passe bien, quoi. Tu vois, où tu tombes pas vraiment sur des ennemis de merde qui te cassent les couilles. Et ça fait du bien. Donc de toute façon... Tu vois, j'aurais pas loupé la première balle, j'aurais pu faire mon turn et ça aurait pu bien se passer. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? De toute façon, il n'y a pas vraiment à se plaindre sur cette game-là. Les choses se sont bien passées. Allez, reviens! Pourquoi ils se sont barrés? Oh merde, il est au loin, je l'ai vu là. Je l'ai vu derrière là-haut, putain. J'aimerais bien avoir la killcam. Ah, dommage. Bon, 35-9, voilà, 35 éliminations avec le SVG. Donc, j'ai fait les sanguinaires, enfin les 5 éliminations. Et c'est vrai que je savais pas vraiment cette nuance de 5 éliminations avec l'arme sans mourir. Et donc, finalement, si tu fais un sans pitié, c'est-à-dire 10 éliminations, ça compte pour 2 fois le défi. J'ai cru que je croyais pour moi comme si c'était comme les sanguinaires qu'on avait sur Black Ops 2, finalement pas. Et c'est un peu plus intéressant. Et c'est vrai que finalement, tu te dis, tiens, tu fais une série de 25 sans mourir, seulement en faisant des éliminations avec l'arme, boum, t'as déjà fait le défi. Bam, ça fait plaisir. J'ai fait les tirs de loin, j'ai cassé un petit peu les couilles, j'imagine. Mais c'est fait, 35 éliminations, donc voilà, il me reste encore une partie en MME et c'est bâclé, c'est fini, la ruée vers l'or est terminée. Et donc on va normalement, en toute logique, si tout se passe bien pour la prochaine partie, avoir et débloquer le camouflage en or sur le SVG qui me découlera du coup le camouflage en diamant sur les snipers. Et voilà, les 10 tirs de loin, les 5 éliminations sans mourir 5 fois, donc effectivement le sans pitié a fait que j'ai eu 2 fois ce défi là, donc c'était bon. Et voilà. Voilà, donc il me reste à faire comme élimination avec cette arme là, logiquement 14. Donc je pense qu'en une partie d'MME, 14 éliminations, ça risque de se faire gentiment. Et ensuite, boum, c'est bâclé, on a le camouflage en or, le camouflage diamant, ouais, ça fait plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce cinquième sniper ajouté à la liste, je n'ai pas eu la chance de le débloquer, donc... Normalement, dans les défis, il va pas me demander de débloquer ce camouflage en or pour avoir le diamant sur tous les snipers, puisque je n'ai pas tous les snipers. Ça serait vraiment du gros foutage de gueule, j'ai envie de dire. On va le voir de toute façon juste après la partie, on va le savoir rapidement. Et après, je crois que j'ai quelques clés de cryptage, donc je vais pouvoir ouvrir, je crois, 3-4 ravitaillements rares, histoire de terminer un peu le truc. Et on sait jamais, avec un peu de chance, si jamais je débloque le nouveau sniper là-dedans, ça me permettrait de continuer la série. Et finalement, ça serait plutôt cool. Alors, même si la série touche à sa fin, j'ai une idée pour une nouvelle série qui, je pense, pourrait être intéressante. En tout cas, dites-moi si ça vous intéresse. Le concept, ça serait par exemple monter le Locus en or ou le Ballista en or, pas simplement sur Black Ops 3 mais sur d'autres Call of Duty, le Ballista en or en moins de 2 heures. Tu vois, des petits défis comme ça, tu vois, où je prends l'arme du niveau 0 et mon objectif est donc de la monter en or en moins de 2 heures ou le plus rapidement possible, et tout ça en une seule vidéo en live, bien évidemment. Et je pense que sur l'idée, ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez et j'essaierai de faire ça pour la prochaine fois. Arrête de sauter, petit lapin. Oh là là, le shoot de merde, des fois. Alors là, je suis pas sûr qu'il réapparaisse là. C'est vrai que sur les points de réapparition, il y a des fois, ça marche bien. Des fois. Mais il y a des fois, non. Là, il est mort. Hein. Alors là, j'ai quand même l'impression que... Voilà. Ça va respawn là-haut. Et encore une fois, j'ai gardé mon drone de brouillage. Ok, ils sont où? Ils sont où? Ils sont tous là-haut. Presque tous là-haut. Presque tous là-haut. On va pas le chier, on va essayer. Ah, mais merde! Mon onde thermique! Ah, elle était bien mise là. J'ai fait la petite glissade pour mettre au milieu du groupe. Et logiquement, si c'est bien calé, c'est vrai que...
marqueur de merde. Assistance. Outrider neutralisé. Carbonisation. Wouh ! Oh, bâtard ! Ah, tu l'as bien lancé, vraiment bien joué. Bien joué, bien joué. Donc là, il me reste 5 éliminations. Putain, ça se passe encore bien. Eh, je suis vraiment content. Je crois que c'est vraiment, en termes de partie, ça va être vraisemblablement le meilleur gameplay, le meilleur épisode que j'ai fait. Et ça, ça fait vraiment plaisir. J'aimerais bien, pour la petite cerise sur le gâteau, si j'arrive à mettre une petite quad feed, ça serait vraiment le luxe. Mais c'est vrai que j'ai du mal à bien saisir. Je pense que c'est bien positionné. Parce que bon, je vois pas mal de gens qui mettent quand même des clips en MME, qui arrivent à bien choper les spawns, etc. Et j'ai encore du mal à choper la bonne stratégie, je pense. Alors, okay. Et tu vois là, regarde. Il y en avait 3 alignés, ça serait été magique. Ah, il y en a un qui va arriver là-dedans. Non. Où est-ce qu'ils sont, ces cons? Putain, il a pas vu venir. Hein. Ah, attends. J'ai comme entendu une collate hitmarker, là. Wouh! Camouflage en or sur le SVG! Camouflage diamant! Ah oui. Il est content, Pépère, il est content. Bon, bah, bien évidemment, je l'avais déjà sur mon autre compte, mais voilà, le but de la série, c'est de le faire en live. Et finalement. Non, je l'avais! Ah putain! Allez, on continue. Voilà, maintenant, c'est que du bonus. On est juste là pour s'amuser. J'en ai vu un à droite, j'en ai vu un à gauche. Bon débarras. Prophète refroidi. Putain, le con. Le con. Merde, je suis perdu. Où est-ce que ça va spawn là? C'est là que tu regardes, les ennemis et les alliés sont partout. Et il n'y a pas de juste logique, quoi. Et c'est vrai que j'ai regretté ça, parce que c'est la MME qu'on avait sur BO2, putain, elle était magnifique, quoi. Drone allié en approche. Alors là, ah, ils sont là, allez, go. Ah, mais j'ai chié complet! Pourquoi? T'as, dès qu'il y a moyen, je me chie dessus. Alors que là, franchement, depuis tout à l'heure, j'arrive à faire quand même. À bien gérer le truc. Et là, comme par hasard, qu'il y avait moyen de faire un truc, je tire tout à côté. C'est pas normal. Et tu vois, regarde, tu respawns juste là. Et je suis sûr que bah, les ennemis sont là, quoi. Ou pas, peut-être. En fait, non. Bon, bah, ok, j'ai rien dit. Putain! Drone en approche. Une pleine mort. Pourquoi il se met derrière lui? Stratège à terre. Eh ouais. Oula, voilà, c'est bon. Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui a explosé là. Bon, bah écoute, on va passer par là alors. Bon, c'est dommage parce qu'il y a quand même. Il y a quand même moyen, mais j'ai niqué une des seules chances qu'il y avait donc. Merde. Bon, là je l'ai utilisé quand même au cas où. Bon, faut bien l'utiliser à un moment. Lance ton drone. Voilà. Allez hop, on va dans le spawn. Outrider neutralisé. Drone de brouillage en attente d'ordre. L'ennemi a abattu votre drone. Allez, viens, putain! Blindé prêt à être déployé. Pourquoi il vient pas? Pourquoi?
Putain, c'est dégueulasse! Pourquoi, mec? Ah, les enfoirés! Voilà, de toute façon, on s'en fout, la partie va bientôt être terminée. Et c'est vrai que sur BO2, il suffisait de placer un gardien ou une tourelle dans le fond du spawn ennemi, mais là, le spawn, comme il veut plus rien dire dans le jeu, bah du coup, voilà, ça veut plus rien dire, quoi. Ouais, c'est pour moi ce kill, normalement, t'as pas à me le voler, toi. C'est un peu salaud, ça. Allez, là, allez, pour la kill cam. On va y arriver! On va y arriver, bordel! L'ennemi a détruit votre tourelle. Putain. En fumée. Bon, dommage. Dommage, dommage. Dommage, bon bah écoute. Oh là, j'étais dans sa tête! Alouette. Drone ennemi repéré. Mais là, tu regardes. Je sais pas. Voilà, je suis dans sa tête. Qu'est-ce qu'il fait là, ce con? Non mais t'es sérieux? Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, si les mecs ils campent aussi dans des endroits improbables, comment tu vas arriver à mettre des clips? Tu sais, les mecs ils avancent même pas dans face à toi, quoi. Ouh, allez pour la kill cam. Ah non, il en reste encore un. Putain, j'aimerais bien. J'aime bien avoir la kill cam, tu vois, même si c'est moche ou quoi, avoir la kill cam c'est toujours bien. Montre-toi. Ah putain, allez, 35-10. Bon, on peut dire que ça fait plaisir. Ces deux petites parties au SVG, elles étaient quand même plutôt sympathiques. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette petite vidéo. Vous savez bien que c'est tout le but. Donc, mission accomplie, camouflage en or et diamant débloqué sur les snipers, tout ça en live. Donc, ça fera un total, je crois, de 20 épisodes. 20 épisodes pour obtenir tous les camouflages en or sur tous les snipers, tout ça en live. Et voilà, on peut dire que ça fait plaisir, c'est plutôt sympathique. Donc finalement, pas besoin de débloquer ce nouveau sniper pour obtenir le camouflage en diamant, ce qui est normal et une bonne chose. Je sais pas si je l'aurais débloqué, si jamais j'aurais eu besoin de débloquer aussi du coup le camouflage en or. Je pense que oui, mais je ne sais pas. On va voir en tout cas pour terminer un petit peu les stats des armes, puisque effectivement, voilà, j'ai débloqué donc le camouflage en diamant. Peut-être que je ferai un petit live avec tous les snipers en diamant. Dites-moi ce que vous en pensez, si l'idée vous plaît. Voilà, tous les snipers en diamant, un petit live tranquillou comme ça. Alors comme ça, ça sera l'occasion d'utiliser tous les snipes de BO3. Marché noir. Allez, on a quelques petites clés de cryptage, donc on va ouvrir les ravitaillements. Pour voir, imagine je débloque le nouveau snipe, ça serait vraiment la... Oh putain, le point américain! Non mais t'es pas sérieux! T'es pas sérieux, non! Pourquoi tu m'as pas donné le... Pourquoi tu m'as pas donné le snipe, merde! Oh le truc! Le truc improbable, c'est vrai que je... Bah voilà, bon bah j'ai le point américain, bon ça me fait une belle jambe tu vas me dire, mais... Enfin j'en ai rien à foutre surtout, vu que je l'ai déjà sur mon autre compte, c'est ce qui compte pour moi le plus. Et on va ouvrir un petit dernier. Donc là il n'y a pas de sniper, parce que je vois pas de truc en or. Et bah c'est quand c'est en or que ça donne le sniper. Pas pu me donner 30 de bonus, enfoiré, hein. Non, c'est pas possible. Vous avez aucun doublon. Ok, bon voilà. Effectivement, donc c'est terminé. Alors attends, je vais malheureusement quitter cette partie-là. En plus, c'était Nukton, ça aurait pu être sympa. Mais bon, je vais quand même montrer pour la caserne les stats que j'ai fait donc en utilisant ce sniper-là. Enfin, ces armes-là. Alors. Le locus 810 élimination, effectivement j'en ai fait plus parce que du coup j'avais joué avec ce compte avec le locus pour faire un petit peu d'expérience pour arriver. Alors je vois précision 45%, ça me fait rire parce que c'est exactement la même précision que j'ai sur mon compte principal. Et sur les ratios élimination victoire et tir dans la tête, ça doit être à peu près la même chose. J'avais joué aussi à la CUDA. Ensuite P06 284 élimination, 21% de précision, effectivement j'ai un peu de mal avec ce snipe. SVG 48%. Donc c'est un peu mieux, c'est vrai que c'est comme c'est plus lent, t'as tendance à vouloir assurer un petit peu plus avec plus de tirs dans la tête effectivement en plus. Donc finalement par contre ratio élimination mort c'est le même, hein. Et le dragon 259, précision 26%, tir dans la tête 52, effectivement tu vas chercher un peu plus la tête. Et finalement sur le bilan on peut avoir que pour obtenir une arme en or c'est à peu près entre 250 et 280 éliminations. Voilà,
Donc tout simplement, finalement, c'est plutôt bueno. Alors c'est vrai qu'il y a les hitmarkers, etc. Mais voilà, entre 250 et 280 éliminations, on a une arme en or, 1000 éliminations environ, et on a les snipes en diamant. Voilà, donc c'est tout pour cette série, la ruée vers le diamant en live sur Black Ops 3. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ce soit sur cette vidéo ou sur la série en règle générale. N'hésitez pas à donner votre avis, donner vos suggestions par rapport aux idées que j'ai données dans la vidéo, si ça vous plaît ou pas. Et également, si ça vous plaît, et tout ça, si vous soutenez la série et tout, n'hésitez pas à faire exploser le compteur des pouces bleus, des likes, ça fait vraiment plaisir, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que de bonheur, qu'à la même chose, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.